Bonjour millions, millionnes. Comment allez-vous? C'est Nati, mes chéries. Alors, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous le souhaite, mes amours. Sinon, bah, que ça s'arrange. Hein, ça s'arrange. Bah oui, parce que il y a des solutions pour tout. Ce qu'il y a, c'est que des fois, ça met un peu plus de temps. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il doit y avoir un message pour quelqu'un. Restez positif. Alors, merci. Pour les personnes qui me soutiennent, merci pour votre fidélité. J'ai atteint les 5 000 abonnés en, je ne vais pas compter novembre parce que c'était vraiment la fin de novembre que j'ai débuté, enfin que j'ai débuté sur Internet parce que dans ma vie, j'ai toujours eu plus ou moins, on va dire, les guidances. Alors les cartes, c'était à mes 12 ans, mais bien avant, c'était le marc de café. Alors. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Merci pour les personnes qui vont s'abonner. Merci à vous. À droite, vous avez la petite cloche. Il faut l'actionner pour obtenir, recevoir les nouvelles notifications, notamment quand je poste une ou des nouvelles vidéos. C'est comme ça que vous le savez. Merci pour vos pouces parce que je suis davantage vue par YouTube. Donc, ça m'aide énormément. Merci à vous. Merci aussi pour vos commentaires, mes chéris. Alors. Cette photo, je l'ai prise là, le week-end dernier. Et puis, j'ai fait la demande, j'ai invoqué les éléments, j'ai médité pour qu'elle soit chargée en énergie positive et qu'elle vous accompagne fin août, on va dire, oui, parce qu'on est le 24, et septembre. Donc, voilà, mes chéris. Également, vous avez la nouvelle lune le 27, ce samedi, la 27 août, nouvelle lune en Vierge, qui est très importante, c'est l'abondance, la récolte, la Vierge. On fait ces demandes, mes chéris. Donc, si vous avez fait le chèque d'abondance, c'est bien. Sinon, vous pouvez le refaire, hein, si vous le désirez, hein, c'est pas, c'est bien. Mais sinon, faites vos demandes, une feuille blanche, écrivez. Vos demandes, commencez par la gratitude. Hein. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que je fais. Donc, je dis gratitude pour tout ce que j'ai eu, ce que j'ai et ce que je vais avoir. Et ensuite, je fais mes demandes. Hein. Et donc, en fait, vous pliez cette feuille, vous prenez un bol ou un récipient hein, transparent si possible, mes chéris. Et puis, vous remplissez d'eau ce récipient. Ce bol ou saladier transparent, peu importe, hein. Et puis, ou un plat de four, vous avez des petits plats de four transparents. Et puis, vous remplissez d'eau et vous me pliez cette feuille, vos demandes, vos souhaits, et vous mettez à l'intérieur du récipient, vous l'immergez dans l'eau, et puis vous sortez à l'extérieur, sur votre balcon, votre cour, votre jardin. Attention au rebord de fenêtre, il faut qu'il y ait une sécurité. C'est pour pas que ça tombe dans la rue, hein, sur quelqu'un ou une voiture, je ne vous le souhaite pas. Donc attention à ça. Et puis sinon, même si la lune ne tape pas directement dedans, sachez qu'elle transperce, elle transperce de sa lumière. Hein. Le soir, c'est la lune, bah oui, qui nous éclaire. C'est donc, vous inquiétez pas, elle va transpercer. Hein. Et puis merci à Madame la Lune. Alors, on va regarder du 24 au 28. Et puis, oui, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de consultations. J'ai fait beaucoup, j'ai effectué des soins. Et donc, j'ai eu des consultations en urgence énormément aussi le soir. Et puis, bah, en fait, bah, je fais comme je peux surtout, hein. Voilà pourquoi. Donc, on va regarder immédiatement. Ici, ça va être tout ce qui est vous, comment vous vous sentez, votre foyer de vie, votre entourage. Hein. Ensuite, le professionnel, le financier, et ici, le sentimental. Hein. C'est simple. Hein. Allez, on commence. Allez, mes lionnes et mes lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chéris? Après, ça peut différer un petit peu hein, dans le temps. Soit ça vient d'arriver, soit ça va arriver, ou un petit peu en différé. Moi, j'ai dit le 28, mais des fois, ça arrive la semaine d'après. Hein. C'est normal, ça. C'est les énergies, c'est comme ça. Oui, là, ici, on va voir la suite. Je ne veux pas parler à l'avance, mais oui, c'est une bonne carte, hein, la reine de dragon. Hein. C'est la reine de bâton.
Ok, bah alors ici, en fait, si vous voulez, deux choses. Ça me parle de quoi? Ça me parle qu'en fait, alors, ici, c'est possible que vous avez un commerce et que, en fait, ça soit prospère, mais qu'on travaille beaucoup, mais vous êtes à votre place. Hein. Pour d'autres, ça me parle d'invitation, de sortie, d'amusement, mais à un moment donné, la reine de bâton, vous allez remettre de l'ordre, et puis en fait, si vous voulez, ça va se calmer un petit peu au niveau des extras, au niveau des sorties, parce que vous allez reprendre votre force, votre pouvoir. Hein. Il est possible aussi que vous soyez invité et qu'il y a un tête-à-tête, et qu'en fait, si vous voulez, ici, elle est belle, la reine de dragon, hein. C'est quelqu'un qui émane, c'est quelqu'un qui attire, elle fait tout. En sorte d'obtenir en tout cas ce qu'elle veut, hein. Et donc en fait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est en plein pouvoir, c'est quelqu'un qui est dans la séduction aussi, hein. Ça c'est possible. C'est possible que pour certains, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer une nouvelle personne ou il y a une histoire de réconciliation. On va voir le sentimental après. Sinon, c'est possible que vous êtes invité ou que vous avez des invités, on est dans le divertissement. Pour d'autres, il est possible aussi qu'on va dire « yes », on va être fier et satisfait, parce qu'on signe un contrat, voilà, un accord, un contrat, quelque chose. Ça peut être aussi un bail, ça peut être aussi la réussite d'un examen, ou alors pourquoi pas le permis de conduire, pourquoi pas aussi, par exemple, on gagne un contrat. Le bail, achat-vente d'un bien immobilier, vous voyez, c'est tout ça. En tout cas, il y a ici, on fête quelque chose, hein, d'accord. Et puis d'autres, vous avez des rendez-vous ici, rendez-vous galants, rendez-vous professionnels. Et c'est normal que les autres domaines sortent dans votre vie, c'est logique. Mais en tout cas, ici, vous allez, ici, il y a de bonnes énergies. Ici, on va être fort, forte. On reprend sa place, hein. On reprend du poil de la bête et on reprend les rênes de sa vie, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Au niveau du pro, on réfléchit. Est-ce que j'accepte ce nouveau emploi, ce qu'on me propose, une opportunité? On réfléchit aussi, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je continue dans ce domaine, dans ce travail? Vous voyez, il y a la réflexion au niveau du pro, au niveau des finances aussi. Donc peut-être qu'on a trop dépensé, on va calmer ses ardeurs. Peut-être que... on va être, peut-être aussi, on va mettre de l'argent de côté pour s'offrir quelque chose, obtenir quelque chose, hein, dans sa vie. Ouais, vous êtes déterminé ici, hein. Moi, j'aime beaucoup, on a la reine de bâton, on a ce chevalier d'épée. Lui, c'est vrai qu'il va un petit peu vite, mais c'est quelqu'un, en fait, de dynamique, c'est quelqu'un de motivé, ça c'est sûr, hein, on le voit bien. Alors... on va prendre le temps de réfléchir et puis ensuite on va se décider. C'est ce que ça me dit. Donc ça parlera à qui ça doit parler parce que là c'est une générale. N'oubliez pas, c'est pas pareil quand je vous ai directement au téléphone avec moi. C'est vous, vos énergies, vous voyez. Là, prenez que ce qui vous parle. Mais toujours est-il ici, il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien au niveau de là où vous êtes. Hein, il y a des manques. Alors soit manque d'argent. Soit le salaire n'est pas suffisant, ça c'est possible. Ou alors le manque, ça peut être aussi le manque de motivation. Et c'est pour ça qu'ici, on a l'introspection, on réfléchit. Moi, je pense que certains, vous allez vraiment aller de l'avant avec ce chevalier d'épée. Vous allez vers la réussite financière. Ici, c'est possible que j'ai des personnes... qui vont en fait se lancer dans une nouvelle voie. Peut-être on parle peut-être vous étiez dans le manque ici, c'est ce que je vois, et là on va aller vers l'abondance. Hein. On va vers l'abondance, les chéris. On va être satisfaite, hein, pour certains de vous. Il y aura du changement, hein, au niveau de l'emploi et des finances ici, hein, en positif. Hein. On ne veut plus être dans le manque. Oh là, mais c'est bien ça. Après le 9 de Pentacle, j'ai le roi de Pentacle. Alors lui, c'est son confort.
Il faut qu'il soit dans le pratique, il faut qu'il soit dans la sécurité. Donc, vous allez vous sécuriser. Vous allez vous dire, justement, je ne veux plus de manquer. Et alors, qu'est-ce que je dois faire pour? Vous allez réfléchir à ça. Et il y a du changement dans votre vie avec, je le vois bien ici, avec ce chevalier d'épée, en fait, si vous préférez. Là, lui, en fait, il a enfourché ce balai. Et puis, il dit, bon, bah, maintenant, ça y est, c'est bon, je me bouge. Et puis, je vais réussir. Hein. Il ne se bouge pas pour rien. Hein. Peut-être une mutation, peut-être une promotion aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une nouveauté dans votre vie. Alors, peut-être que c'est le début avec ce jugement, on vous en parle. Ou alors, ce n'est pas encore arrivé dans votre vie, ça va arriver. Il y aura une proposition, une opportunité financière, mais aussi professionnelle. Et après, c'est à vous de prendre la décision. Mais là, on le voit bien qu'on a envie d'avancer dans notre vie. Et là, il y a une réussite. Hein. Il y a vraiment de la récolte ici. Hein. Et il y a quelque chose qui vous anime, hein, une nouvelle voie peut-être. Ou... Pour certains, je vois bien les notes de musique. Je les ai ici et ici. Vous êtes dans la musique ou dans le chant. Ça, c'est possible aussi. Ou peut-être c'est une activité hein, que vous reprenez, la chorale ou alors autre chose. Hein. On est aussi dans la créativité. Hein. On va être très créatif. Toujours est-il ici, c'est clair que vous, vous ne voulez plus du tout être dans le besoin. Je vous dis dans le manque. Vous voulez en fait que votre vie elle s'éclaircisse. Vous voulez aller vers l'abondance, vers la réussite. Et vous le méritez amplement. Vous avez raison. Vous avez aussi des capacités, mes chéris. À vous de voir. Hein. Ensuite, ici... Ok, je les prends. On doit prendre une décision, on ne sait pas trop quoi faire, mes chéris. Ici, on a la boule de cristal, on est face à une vérité. On est face, en fait, vous allez prendre conscience de quelque chose au niveau du sentimental et vous allez devoir vous décider. On vous dit que la réponse est en vous, mais pour l'instant, vous avez besoin d'éclaircissement, de voir plus clair, hein. Il y a des choses cachées aussi avec la grande prêtresse. Il y a des choses cachées et c'est pour ça qu'elle regarde dans sa boule de cristal. Et puis, on a deux boules de cristal, je suis en train de voir. Il y a des gens qui vont m'appeler ici. Ouais, vous avez besoin d'être guidé par rapport à justement quoi faire et prendre votre décision. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Mais on est un petit peu perdu au niveau du sentimental. On va voir par la suite le sentimental, ce que j'ai, parce qu'on a été peut-être trop généreux, généreuse, et que ça dure depuis un moment. On va voir. On a essayé de sauver une personne, on a essayé de sauver notre couple, et puis là, en fait, vous vous rendez compte, en tout cas, vous allez vous rendre à l'évidence. Et là, c'est après que vous allez prendre cette décision, une fois que ça sera clair dans votre tête, en fait, hein. Alors, ici, on va voir un petit peu qu'est-ce que j'ai au niveau du foyer. On continue. Recevoir des dons sous forme d'argent, mes chéris, ou de temps ou d'efforts. Nouvelle opportunité de carrière. Recevoir un prêt ou un remboursement des dettes qu'on vous dit. Et ça rejoint ici, hein, vraiment. Hein. Moi, je pense que ça bouge au niveau du pro et au niveau des finances chez vous. Il y a de la récolte, il y a de la réussite, il y a des opportunités. Une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches, de réfléchir, cesser de procrastiner pour certains de vous. Peut-être que vous avez des documents ou alors... peut-être qu'il y a des choses, peut-être qu'il y a des dettes aussi, hein, à voir si vous ne pouvez pas avoir un échéancier, quelque chose comme ça. Pour d'autres, en fait, on vous parle de microcrédit, de crédit. On vous parle de réussite, hein, vous allez avancer. Il y a une grosse somme d'argent. Alors, peut-être que vous allez vendre un bien immobilier, je ne sais pas, ou acheter. Une célébration, bah, là, on l'avait. Hein. Célébration, ou alors vous allez être... invité à une fête, un événement, une cérémonie, une célébration,
une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance aussi, besoin d'éprouver davantage de plaisir, bah, on est dans les divertissements, ça confirme. Libération, mes chéris, une phase où une situation connaît son dénouement. Mais oui, que vous allez trouver la solution, je le disais dès le début. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. On vous prépare, pour certaines personnes, vous êtes sur votre quête spirituelle, et en fait, vous avez déjà changé, et donc il y a une transformation qui s'effectue toujours. Hein. Il y aura des changements, et puis en fait, vous allez évoluer, vous allez passer à autre chose. Mais on vous prépare en fait, hein. Vous avez une destinée, qu'on me dit. Hein. Et au niveau du pro et des finances, qu'est-ce qu'on a pour mes lions et mes lionnes? On a quoi? Apprécier les petits luxes de la vie. Alors, il y a des petites rentrées d'argent, on va s'offrir des choses. Passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Donc, il y a quelqu'un qui est à son compte et, ou qui va être à son compte et ça va être un succès, hein, toujours est-il. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, l'expérience de la vie, vous l'avez, mes chéris. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez toutes les capacités. Il y en a qui démarrent quelque chose de nouveau. Il y en a qui changent de voie. Et puis d'autres, en fait, ici, il y a de la récolte. On vous dit aussi qu'il y a du changement et qu'il va falloir déployer ses ailes. Hein. Il va falloir y aller là, d'accord? Ensuite, au niveau du sentimental, deux cartes, s'il vous plaît, pour mes lions et mes lionnes. Prenez que ce qui vous parle, bien sûr. On a encore la grande prêtresse, c'est la même carte, mes chéris, il y a quelque chose de caché, vous voulez savoir la vérité, vous décidez ensuite, c'est important pour vous. Ici, on vous dit, fiez-vous à votre intuition justement, soyez patient, patiente, avant de passer à l'action, parce que vous allez prendre cette décision. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous, mes chéris? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce que vous pouvez accepter et ne pas accepter ou ne plus accepter? Vos relations atteignent un nouveau stade pour certains de vous. Fiez-vous à votre intuition, ça insiste. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Attention, prenez soin de vous, mais je pense que là, il y a quelqu'un, un lion ou une lionne, vous avez une intuition et au fond de vous, cette petite voix, elle vous dit les choses. Et peut-être que vous ne voulez pas voir la réalité, mais en fait, là, vous allez vous fier à votre intuition hein, ou l'intuition de quelqu'un d'autre. Hein, si vous êtes dans le flou, dans la confusion, parce que moi, je le sens comme ça. On a essayé de sauver quelqu'un. On a essayé de sauver son couple. On était un peu, vous savez, on a été un petit peu sauveur, sauveuse, voilà, tantôt... bourreau, tantôt victime, ou alors peut-être c'est... Ben en fait, je vous parle du triangle de Cartman, c'est ce triangle où on est sauveur, persécuteur, victime, et puis voilà. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui faisait sa victime, qui faisait que vous essayez de sauver, et puis de temps en temps, on devient bourreau. En fait, on endosse un petit peu, on tourne en rond, on endosse un petit peu ces trois rôles, ou c'est l'autre, hein, c'est à vous d'adapter, vous le savez de quoi je parle. Et puis, en fait, là, on en a ras le bol. Là, on a envie de nouveauté, on va prendre une grande décision. Ah oui. Alors, ensuite... Ah, je ne vous ai pas fait ce jeu-là, je le mets là. Pour le pro, on va voir, excusez-moi. Expièglerie, alors pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de manifester. Il y a quelqu'un qui rencontre une nouvelle personne, vous allez rire, vous allez être dans l'humour, dans la légèreté. Ah ben voilà, tromperie. C'est pour ça que vous voulez savoir quelque chose, hein. Vous le sentez. Alors attention, ça peut être la tromperie, mais ça peut être aussi...
que l'autre porte un masque et l'autre n'est pas honnête et malhonnête et vous ment. Peut-être aussi que l'autre est là par intérêt, voyez-vous. Mais vous le sentez là ici, hein, je ne parle pas à n'importe qui, hein, je parle vraiment à quelqu'un qui a l'intuition d'une tromperie ou de fausses promesses ou de mensonges ou qu'il n'y a pas assez de l'autre côté, hein, l'autre n'a pas assez d'attrait, hein, d'attrait chimique pour vous. Et donc, en fait, là, il y a quelque chose. Hein, mais on parle de tromperie. De toute façon, cet été 2022, qu'est-ce que... Enfin, après, c'est les étés. L'été, c'est l'effervescence, voilà. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour des consultations parce que il y avait de la tromperie, hein, dans l'histoire, hein, énormément. Il y a eu beaucoup de souffrances, de douleurs. Après, heureusement, on ne me contacte pas que pour ça, parce que ça serait triste, en fait, hein. Non, non, il y a d'autres personnes qui me contactent justement parce qu'il y a des changements de voix, il y a des choses qui leur ont parlé, que voilà, pour des maisons, pour pas mal de choses, hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Non, ici, moi, c'est de cœur à cœur. Vous allez dire vraiment ce que vous pensez. Et puis après, il y a la décision. Est-ce que vous restez avec cette personne ou pas? Eh ouais. Alors, soit c'est arrivé, ça tombe dans mon tirage, ou ça va arriver. Ici, aimez-vous d'abord. Bah oui. En fait, ici, moi, il y en a certains, vous allez prendre la décision, en fait, d'arrêter cette relation. Parce que vous êtes toujours dans l'attente, dans la souffrance. Et puis, vous ne pouvez pas justement sauver. Au contraire, qui c'est qui va vous sauver? Vous pensez à vous. Et donc, justement, on vous dit, mais vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant pour plus tard, pour une personne. Mais le respect de vous-même, respectez-vous. Et là, il y aura, je pense, hein, ici, c'est clair qu'on va dire les choses, tout ce qu'on a sur notre cœur. On va vider. Et puis, on va prendre vraiment une décision. Hein. C'est flagrant ici. Hein. Vous ne voulez plus subir. Et vous avez raison, vous allez vous choisir, vous, dans l'histoire. Parce qu'on vous dit, hein, aimez-vous d'abord. Ici, vraiment, j'ai des gens ici. Et ils sont bien, hein, tous les deux, ce couple. Hein, on le voit bien. Ils sont sur une balançoire. Et puis, on apprend à se connaître. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans l'ombre. Hein. Elle est dans la lumière, dans l'ombre, en fait, parce qu'il faut qu'elle apprenne à le connaître. Hein, c'est le début. Hein. Après, il y a quelqu'un ici, vous avez l'ombre. L'ombre de la... Quelque chose est caché. Hein, je vous le disais, vous avez deux fois la papesse. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Hein, donc, en révélant vos secrets, mes chéris, en apprenant à se connaître. Hein, prenez le temps. Et puis, vous allez prendre le temps de rire, les divertissements, les sorties, la bonne humeur ici. Hein. Vous avez, il y a vraiment quelqu'un, là, j'ai un couple où ça se passe bien, ou alors c'est une nouvelle rencontre. Hein. Ouais, on vous dit libérez-vous ici. Hein. Choisissez-vous, vous, et de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, mes chéris. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il y a eu un manque de respect, qu'on me dit, ici. Il y a eu un manque de respect. En plus, j'ai la tromperie, ça confirme. Alors, on va regarder ici, au niveau du pot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes lions, mes lionnes? Alors, un rêve se réalise, vos rêves vont se réaliser au niveau du pro et des finances. Ici, j'ai des thérapeutes, des médecins, paramédicales, infirmières, aides-soignantes, accompagnants, enfin. Ça peut être aussi savant, scientifique, chimiste, ça peut être thérapeute, la voyance, l'enseignement. Enseignement aussi, haute responsabilité. Alors, soit vous avez ce poste-là, ou alors là, prochainement, vous allez prendre les fonctions d'un poste à haute responsabilité qu'on vous propose, donc une promotion, et vous démarrez en septembre-octobre, quoi.
prochainement en tout cas. Et donc en fait, c'est aussi un peu l'élévation, on évolue, et puis ici c'est enfin on a ce qu'on voulait. Pour l'année prochaine, pour certains aussi, on va se préparer. Donc c'est possible qu'il y a des formations, c'est possible qu'on vous forme, ou alors on reprend les études. Ça c'est possible, ou une formation, mes chéris, hein, ça me parle de ça, hein. Encore le dirigeant, je dis encore parce que je vois les hautes responsabilités. Moi, ça me parle aussi, je voulais le dire et puis après, je suis partie dans les hautes responsabilités. Ça me parle de personnes qui sont à leur compte ou qui vont être à leur compte. Hein. Le conquérant de la guérison, on est dans la guérison, on a besoin de guérison. C'est vous qui guérissez les autres, que vous les guidez, vous les aidez. Et puis pour d'autres, en fait, ici, ça me parle de auto-entrepreneur, chef d'entreprise, hein, à son compte. L'opportunité. Il y a une opportunité, il y a de la nouveauté, hein, mes chéris. C'est clair, hein. Voilà, ça confirme. Il y a de la nouveauté, il y a de l'abondance, de l'opportunité au niveau des finances, au niveau du pro. On va évoluer. Regardez-moi ces trois pyramides. Hein. On va évoluer, mes chéris. C'est bien. Ça bouge chez vous. Pour d'autres, en fait, on est dans la récolte. Hein. Avec cette carte, on va être bien. On va être comblé. On va combler les trous aussi. Pour certains, je vous ai dit, vous ne supportez plus, vous n'en pouvez plus. Là, en fait, vous ne voulez plus être dans le manque, vous voulez changer les choses. Et c'est très bien. Ici, il y a vraiment une proposition, une opportunité, la chance, vous voyez. C'est bien, mes chéris, continuez comme ça. Persévérez, ne lâchez rien, restez positif. Et moi, ben, je vous envoie plein de belles énergies. Et si vous avez besoin de mes services et que ça vous a parlé, n'hésitez pas. Restez pas dans le flou. C'est toujours bien d'être guidé et d'avoir des réponses et puis d'avancer surtout. Là, il y a une belle lancée, hein, je vous dis honnêtement, là, c'est très très bien. Et ici, il y a l'invitation, hein, il y a quelqu'un qui est avec une nouvelle personne où il y a de la réconciliation. Ça me parle de ça. Et on va être dans la légèreté, dans les rires, l'humour, la joie, vous voyez, les sorties aussi. Hein. Par contre, ici, là, il y a un choix à faire, hein, ça c'est clair. Il faut arrêter cette histoire de triangle, je vous dis, de Cartman. Tantôt vous êtes sauveur, tantôt vous êtes victime, tantôt bourreau, c'est l'autre qui est comme ça. Parce que justement, il y a eu ou il y a de la dépendance aussi, hein, qu'on me dit, hein, et que là, il est temps un petit peu de reprendre, hein, de reprendre en fait, si vous voulez, le fil de votre vie, mais vous, hein, vous, hein, et on vous dit bien de vous libérer, de vous choisir d'abord, pensez à vous, et d'être clair. Et de toute façon, il y a un choix, et puis je vois bien que vous allez le faire, ce choix. Mais ce n'est pas évident pour vous, ce n'est pas si évident que ça. Mais quand vous allez vous décider, eh bien là, vous allez avancer, hein, ça c'est clair, hein. Il y aura une grande avancée. Bon, ben voilà, si vous avez besoin de mes services, vous le savez, en dessous de la vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez mon mail pour me contacter, natalia16000nati@gmail.com. Et sinon, vous avez mon site. Donc, il y a le lien en bleu ciel en dessous de la vidéo. Vous allez voir, il y a un lien bleu ciel. Vous cliquez dessus, vous accédez directement sur mon site professionnel et vous avez donc les formules, le soin aussi. Vous avez l'explicatif du soin. Regardez si vous vous retrouvez dedans ou pas, si vous en avez besoin ou pas, mes chéris. En tous les cas, je vous souhaite plein de belles choses, mes chéris. Au revoir, bisous.